Ils en rêvaient, les fans le voulaient, ils l'ont fait. Timeline version Star Wars, Timeline, les guerres de l'étoile. Et oui, la petite boîte est arrivée là récemment. Que contient-elle? C'est ça la question. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'est Timeline. C'est un jeu où il va falloir poser, arranger sur une table des petites cartounettes en les arrangeant de manière plus ou moins diverse en fonction de certains critères et catégories. En tout cas, dans la version de base, c'était des dates historiques. Là, par rapport à Star Wars, il va falloir classer des scènes des films 4, 5 et 6 dans le bon ordre. Oui, cette boîte contient 110 cartes, toutes estampillées Star Wars, officiellement homologuées. Ces petites cartes sont de petite taille. Regardez, j'en ai mis une ici là en caméra déportée. Vous voyez, par rapport à ma main, ce n'est pas très grand. C'est une scène tirée du film. Là, par exemple, c'est le premier baiser de la princesse Leia et de Han Solo. Mmh, et oui, ils sont amoureux à un moment donné, mais je ne vous spoil pas la fin. Ils ne peuvent pas, en fait, parce que je ne vous dis rien. Et donc, là, devant moi, j'ai le jeu qui est en train de s'installer. J'ai trois cartes sur lesquelles il y a trois scènes. Là, j'ai par exemple la première apparition à l'écran de C3PO et de R2D2. Et là, tout de suite, on constate que dans cette édition-là, ils ont pris les noms de la version originale. C'est C3PO et non pas Z6PO. Bah, Z6PO, n'importe quoi. À côté, j'ai une carte où Darth Vader tue Obi-Wan Kenobi. Luke Skywalker s'échappe de l'étoile noire. Et là, on voit bien que Luke Skywalker, il n'est pas content quand il voit Obi-Wan Kenobi mourir. Ouh. Et puis juste à côté, il y a une carte, c'est Han Solo. Ce n'est pas une grotte. Ces petites cartes sont numérotées 426, 522, 597. Et la question, la séquence-là, où le premier baiser de la princesse Leia sur la bouche de monsieur Han Solo, où se situe-t-elle? Eh bien, je vais devoir la placer entre ces cartes-là. Et donc, moi, je dirais que c'est ici, parce que je connais les films par cœur. Attention, je vais la retourner. Paf, 591. Ouais, j'ai bon. Je connais bien Star Wars sur le bout des doigts. Cette petite vidéo vite fait bien fait pour montrer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette version Star Wars. Les règles sont écrites à l'intérieur, c'est pas la peine de vous les expliquer en long et en large. Normalement, vous avez compris comment cela fonctionne. En tout cas, foncez si vous êtes fan de Star Wars, vous ne vous en lasserez pas. Je connais pas mal le film, les trois films dirais-je, le 4, 5, 6. Et parfois, ça me semble très compliqué de savoir dans quel sens il faut les ranger. En tout cas, vous savez tout. À bientôt.